Sylvie, on va peut-être. Bien, nous allons peut-être. Je rappelle à l'ordre les intervenants et les participants. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci d'être fidèles à notre cycle de conférences qui cette année porte sur la justice, mémoire et oubli. Quelques mots pour présenter ce cycle nouveau pour nous qui sans doute durera 2 ans, comme d'habitude. Nous avons pensé que il fallait aborder de front cette question cette année, sachant que nous avons déjà abordé la question, surtout sous l'angle de l'oubli, dans un précédent travail, notamment autour du Rwanda. Mais il nous semblait qu'aujourd'hui, il fallait repenser la question de manière un peu plus large et nous confronter à cet enjeu majeur qui aujourd'hui est, au fond, le positionnement de la justice dans ce champ complexe de la mémoire et de l'oubli. Sans oublier évidemment la question de l'histoire. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, dans le champ du droit, notamment de notre droit à nous, la justice est plutôt minorée alors qu'elle regarde vers le passé et la loi est plutôt regarde vers l'avenir, si vous voulez, comme vous le savez. Et que dans notre histoire politique, l'usage de l'oubli est étroitement lié à la construction de la loi elle-même, avec ce pari qui est fait régulièrement après des conflits, que le temps, et seul le temps, peut cicatriser les blessures, et d'où les constructions juridiques comme l'amnistie, comme la prescription, avec les précédents grecs et romains pour la prescription, qui jalonnent en quelque sorte les après-guerres ou les après-conflits en construisant un avenir autour de l'oubli. Et vous avez là un débat qu'on a eu déjà préalablement au moment de l'affaire des trois grands procès Papon, Touvier, Barbie dans les années 80-86. C'est agréable, mais essayez d'appuyer sur votre. Bon, c'est pas grave. Ça finira bien par s'arrêter. C'est pas grave. Donc cette idée que, si vous voulez, avec le temps, une société, comme le disait Paul Ricoeur, ne peut rester perpétuellement en colère avec elle-même ou en conflit avec elle-même, et qu'il faut, au bout d'un moment, que l'oubli s'installe, et ses lois mémorielles, ses lois plutôt fondant la question de l'oubli, sont effectivement très, très importantes de ce point de vue. Alors tout cela est travaillé, repris par l'histoire républicaine, jalonné par des lois d'amnistie après la Seconde Guerre mondiale et après la guerre d'Algérie, et ces grands rituels républicains, ces moments républicains ont, si vous voulez, agencé l'oubli dans notre histoire et ont contenu les débordements éventuels de la mémoire. Sauf que, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous amorçons cette réflexion, sauf que cette réflexion mémorielle aujourd'hui paraît faible au regard d'une nouvelle interrogation sur la mémoire qui a plusieurs raisons. La première, c'est l'émergence d'une parole victimaire qui aujourd'hui vient relancer ce débat perpétuellement après un conflit. Émergence également concomitante qui touche directement la justice, d'une justice transitionnelle dans de nombreux pays après les conflits, qui vient donner une part nouvelle à un espace de parole aux victimes ou aux descendants des victimes. On a expérimenté cette question-là récemment en Martinique et à La Réunion. On voit que cette parole victimaire liée à l'héritage de l'esclavage postcolonial est très important et elle s'invite dans le débat aujourd'hui et elle réclame justice. On est confronté à ces questions encore aujourd'hui. Et puis vous avez aussi une parole politique qui vient aussi intervenir dans ce champ et qui vient tenter de trouver sa place dans ce nouvel enjeu mémoriel.
Et puis, y compris dans le champ de la parole politique, vous avez l'exigence d'un procès pour la mémoire qu'a très clairement manifesté récemment le président de la République à l'occasion de l'affaire Sarah Halimi, en disant effectivement que la justice doit jouer un rôle dans la commémoration des blessures de l'histoire, en étant extrêmement précis sur les mots, puisqu'il a évoqué le fait que la responsabilité pénale est du ressort de la justice, l'antisémitisme est du ressort de la République, disait-il, à part qu'effectivement, on a le sentiment de plus en plus que ces deux enjeux se télescopent jusqu'au point de se confondre et de provoquer ce que Svetlana Todorova appelait les abus de la mémoire au cours de l'histoire. Donc voilà, nous sommes confrontés dans le champ de la justice à ces contradictions mémorielles qui surgissent actuellement, et nous ne savons pas très bien où nous situer entre le plus jamais ça que certains réclament et le il n'est plus temps que d'autres effectivement exigent. J'ajoute que cet enjeu rebondit encore aujourd'hui après la vague d'attentats terroristes que nous avons, puisque Henri Rousseau, actuellement grand historien IHTP, préside une commission mémorielle sur la manière de construire, d'élaborer un musée mémoriel étroitement lié aux attentats que nous avons connus et à la parole victimaire qui effectivement y a été célébrée. Donc vous avez là vraiment, y compris pour le terrorisme, y compris pour les grands conflits de l'histoire, de notre histoire ou des pays voisins ou amis, vous avez là un enjeu qui se reporte sur la justice et qui mérite notre interrogation aujourd'hui afin d'aborder ces questions d'une manière qu'on espérera plus claire que ce débat très conflictuel sur les contradictions de la mémoire. Alors, nous allons aujourd'hui, avec Sylvie Thénault, qui est directrice de recherche au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains, aborder une affaire extrêmement importante sur laquelle le président Macron s'est prononcé récemment, l'affaire Maurice Audin, dont Sylvie va nous parler tout à l'heure. Je rappelle que Sylvie a écrit avec Magali Besse, qui s'excuse, mais on va expliquer tout à l'heure pourquoi son absence, a écrit un ouvrage qui s'appelle « Réparer l'injustice, l'affaire Maurice Audin », que vous voyez d'ailleurs sur cet écran avec la table des matières, qui a été publié par l'Institut francophone pour la justice et la démocratie. Sylvie a publié précédemment un livre qui a marqué beaucoup les uns et les autres, une drôle de justice, c'était sur la justice pendant la guerre d'Algérie en 2001 ou 2002, je ne me souviens plus, 2001, qui était le premier livre qui faisait un peu l'analyse de la place que la justice et que les magistrats notamment et que les avocats également ont eu pendant ce moment de la guerre d'Algérie. Voilà, Sylvie, je vais lui donner la parole pendant environ une heure, ensuite de quoi nous aurons une discussion avec la salle. Merci. Bien, bonsoir mesdames et messieurs. Je tiens d'abord à remercier Denis Salas, Sylvie Imbert et l'Association française pour l'histoire de la justice avec qui nous avons une collaboration fréquente à intervalles plus ou moins réguliers, mais depuis longtemps. Je tiens à les remercier de m'avoir conviée aujourd'hui à vous parler de cette affaire dont vous verrez qu'elle me tient à cœur. Donc effectivement, je commencerai par bien vouloir excuser l'absence de Magali Besse, qui est juriste, je suis historienne, et qui, avec Jean-Pierre Macias, professeur de droit public, spécialiste de la justice transitionnelle, dirige l'Institut français pour la justice et la démocratie. Magali a dû se rendre en Centrafrique où ils sont en train de travailler autour de ces questions. Je le regrette un peu parce que une double approche juriste-historienne peut être intéressante et elle aurait peut-être été plus compétente que moi pour répondre à des questions juridiques que vous auriez, mais je ferai mon possible, notamment parce que dans l'ouvrage que nous avons piloté, il y a plusieurs articles qui reviennent sur les aspects juridiques de cette affaire Audin, et donc sans les maîtriser parfaitement, j'espère pouvoir répondre aux questions
que vous auriez. Cet ouvrage, je tiens à le dire également, même si ce sont nos deux noms finalement qui sont sous la couverture, il a été le résultat d'un travail effectué par une petite équipe rédactionnelle comprenant Michel et Pierre Audin, qui sont les fils de Josette et Maurice Audin, les fils et filles de Josette et Maurice Audin, ainsi que Nathalie Funès et François de Merliac, qui sont journalistes et documentaristes et qui ont également beaucoup travaillé autour de cette affaire. Alors, comme Denis Salas l'a rappelé dans son propos introductif, Emmanuel Macron est revenu récemment dans ses déclarations dans l'avion au retour d'Israël sur ce que la guerre d'Algérie représentait comme enjeu dans ses politiques mémorielles. Et concernant l'affaire Audin, il a fait une déclaration importante le 13 septembre 2018 qui est importante parce qu'elle accédait à une revendication portée des décennies durant par la veuve de Maurice Audin, Josette Audin, qui d'ailleurs est décédée peu de temps après la déclaration. Elle est décédée le 2 février 2019. Elle est importante parce que c'est une déclaration qui essentiellement, elle est longue, on pourra y revenir dans la discussion, mais qui essentiellement reconnaît la responsabilité de l'État dans la disparition de Maurice Audin. Et c'était une reconnaissance que Josette Audin avait cherché à obtenir de longue date. Alors, pour revenir sur cette affaire, je vous ai mis ici quelques grandes dates qui vont me permettre de vous en faire une synthèse. Maurice Audin était en fait un militant du Parti communiste algérien, engagé dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Fait important à noter, et qui a permis d'ailleurs la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'était pas du tout engagé dans des groupes commettant des attentats. C'était un militant qui, en particulier, aidait les dirigeants clandestins du PCA à échapper aux recherches qui étaient menées. Parce que, en fait, comme vous le savez certainement, la guerre d'indépendance de l'Algérie a été déclenchée et menée principalement par le Front de Libération Nationale, qui était une organisation algérienne. On pourrait revenir sur les catégories, mais globalement. Mais le Parti communiste algérien s'est aussi engagé et en fait, il a été dissous en septembre 1955. Donc les dirigeants du Parti communiste algérien sont recherchés et vivent dans la clandestinité. Maurice Audin était assistant de mathématiques à la faculté d'Alger. Il était sur le point d'achever une thèse qui en fait était tellement avancée qu'elle a pu donner lieu à une soutenance en son absence qui a été un grand moment de mobilisation et de publicisation de sa disparition. Donc il était assistant de mathématiques à la faculté d'Alger, mais ce n'était pas du tout un membre important du Parti communiste, c'était vraiment un simple militant, ce qui n'a rien de dévalorisant dans ma bouche. Tout ça pour dire que son arrestation n'est pas du tout liée à l'importance qu'il a dans l'organigramme du PCA dissous, mais au fait qu'il était en contact avec les dirigeants en clandestinité, et en particulier il était en contact avec Henri Alleg, dont vous connaissez peut-être plus certainement le nom. Et d'ailleurs, Henri Alleg a été arrêté à la suite d'Audin. Pour résumer très vite, lorsque les parachutistes sont venus chercher Maurice Audin à son domicile le soir du 11 juin 1957, ils ont laissé quelqu'un en surveillance et sa femme Josette n'a pas pu sortir de l'appartement pendant 3 jours. Et tout simplement, Henri Alleg grimé est venu chercher de l'aide et quand il a sonné à la porte, et bien sûr, il a été arrêté. Donc voilà les circonstances de l'arrestation de Maurice Audin. Il a été emmené dans un centre de tri et de transit. C'est un dispositif qu'on appelait à l'époque le système arrestation-détention sur lequel je reviendrai. Il a été amené au centre de tri et de transit d'El Biar, où son arrestation a été officialisée a posteriori par un arrêté d'assignation à résidence qu'a signé le secrétaire général de la préfecture de police d'Alger, qui s'appelait Paul Tedjène, et qui, peu de temps après d'ailleurs, remettra sa démission en expliquant qu'il signait des arrêtés d'assignation à résidence sans avoir en réalité une vue
nette et précise de l'état des arrestations. Il savait qu'on venait, lui, que les militaires procédant aux arrestations venaient lui demander de signer des arrestations a posteriori. Donc il y avait toujours une période pendant laquelle les gens pouvaient être détenus sans que finalement rien d'officiel ne soit signé, donc sans que les familles puissent savoir où était la personne arrêtée, et ni même d'ailleurs entre les mains de qui elle était, puisque quand on dit les parachutistes à Alger et la 10e DP du général Massu, en fait ça regroupe un grand nombre de régiments qui opèrent dans des lieux très divers, et donc quand quelqu'un est arrêté, les familles ne savent pas où il est emmené, ni précisément par quel régiment il est détenu. Henri Allais, qui a été arrêté à la suite de Maurice Audin, l'a croisé à El Biar, parce qu'il a aussi été emmené au centre de tri et de transit d'El Biar. C'est le dernier témoignage, si vous le savez, peut-être Henri Allais a publié La Question, qui est un témoignage des tortures qu'il a subies à El Biar. C'est le dernier témoignage de quelqu'un ayant vu Maurice Audin vivant. Il a ensuite donc disparu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas et on ne sait pas toujours pas, j'y reviendrai, très exactement ce qui lui est arrivé. On a dit à Josette Audin, qui, dès qu'elle a pu sortir de l'appartement, est allée frapper à toutes les portes possibles pour essayer de savoir où était son mari, on a fini par lui dire qu'il s'était évadé. Et donc on lui a expliqué que le 21 juin 1957, 10 jours après son arrestation, il avait été placé à l'arrière d'une Jeep pour être emmené dans un autre centre de détention que celui d'El Biar, et il aurait sauté de la Jeep dans un virage au cours du trajet, avec déjà l'invraisemblance qui consiste dans le fait qu'il ait été placé à l'arrière de la Jeep sans être menotté, et les militaires qui devaient normalement opérer le transfert étaient tous les deux à l'avant. Il y avait un chauffeur et un passager qui étaient chargés normalement de la garde de Maurice Audin, ce qui fait qu'il y a eu très rapidement des invraisemblances dans le récit de l'évasion. Josette Audin a porté plainte à Alger. Et avec les documents qui ont été collectés par le juge d'instruction et dont ses avocats avaient forcément connaissance, notamment le compte-rendu de l'évasion et les témoignages des militaires, Pierre Vidal-Naquet a publié en 1958 « L'affaire Audin » aux éditions de Minuit. C'est un ouvrage assez complexe à la lecture, qui finalement, à la façon d'un dossier d'enquête policière, recoupe dans le détail tous les éléments des déclarations des uns et des autres pour démontrer qu'il y a tellement d'incohérences que cette évasion est plus que probablement une mise en scène dans laquelle un parachutiste a joué le rôle de Maurice Audin. Alors, la plainte a ensuite été transférée en métropole. C'était l'époque où, en 1959, l'époque où Edmond Michelet est devenu ministre de la Justice, et pendant cette période, c'est relativement systématique de transférer en métropole les plaintes pour torture ou enlèvement et séquestration. La plainte de Josette était pour enlèvement et séquestration, qui avait commencé à être instruite à Alger dans une logique de dépaysement des affaires, hein, pour les faire échapper à un climat qui, à Alger, n'était pas du tout propice à l'éclatement de la vérité. La plainte, donc le dossier, a été confié au parquet de Rennes, où un juge d'instruction a fait à peu près ce qu'il pouvait pour tenter d'auditionner les témoins, en particulier les témoins militaires. Il n'est pas parvenu à trouver la vérité, puisque je vous le disais, de nos jours, nous ne la connaissons pas toujours. Des renseignements qui sont parvenus à Pierre Vidal-Naquet à l'époque l'ont conduit à défendre jusqu'à la fin de ses jours en 2006. Pierre Vidal-Naquet est décédé en 2006, il a maintenu cette version, l'ont conduit à défendre que le lieutenant Charbonnier, qui était l'officier de renseignement qui interrogeait Audin sous la torture, dans un accès de colère, l'aurait étranglé. C'est une version que le lieutenant Charbonnier a contestée de son vivant. Son fils
en a témoigné et il a raconté d'ailleurs que son père a plusieurs fois demandé au ministère de la Défense l'autorisation de porter plainte en diffamation pour se laver de cette accusation, mais bien sûr le ministère de la Défense ne l'a pas autorisé à y procéder parce que ça aurait voulu dire possiblement rouvrir une enquête et revenir sur cette affaire et savoir peut-être la vérité de ce qui s'est passé. Par ailleurs, ce n'est pas un aspect sur lequel j'ai prévu d'insister, mais l'affaire Audin est, avec l'affaire Allègre, les deux plus grandes affaires de mobilisation dans la dénonciation de la torture pendant la guerre en Algérie. Pierre Vidal-Naquet était la cheville ouvrière d'un comité Maurice Audin qui a mené quantité d'actions pour... au début, tenter de savoir ce qui était arrivé à Maurice Audin, mais du coup, évidemment, en même temps, documenter le fonctionnement du système arrestation-détention à Alger et, in fine, produire les premières analyses historiques des conditions de possibilité de la torture et des disparitions à Alger pendant cette année 1957. En 1962, c'est la fin de la guerre, elle est close par les accords d'Évian, le 18 mars 1962, et les accords d'Évian ont prévu une amnistie qui n'est pas réciproque dans le texte, mais qui l'était certainement dans l'esprit des négociateurs. Le texte prévoit l'amnistie des Algériens qui sont détenus pour, et qui ont été condamnés pour leurs engagements dans la lutte pour l'indépendance. Vous aviez des gens évidemment condamnés pour les attentats, hein, pour assassinat, mais vous aviez quantité d'autres incriminations, des gens qui avaient collecté des fonds, qui avaient transporté des tracts, qui avaient guetté pour les maquisards, etc., etc., qui avaient fait les agents de liaison entre eux, des militants ou des maquis. Donc, dans les accords d'Évian, on prévoit l'amnistie des Algériens détenus qui sont libérés très rapidement entre mars et juillet 1962. Et puis, il y a un deuxième décret d'amnistie qui suit immédiatement le premier, qui bloque toute poursuite concernant des membres des forces de l'ordre françaises qui auraient pu être poursuivis pour des crimes ou délits commis dans le cadre de la répression des acteurs de l'indépendance algérienne. Donc cette amnistie a souvent, enfin même par les autorités françaises, présentée comme réciproque, mais elle n'était pas dans le texte des accords stricto sensu. Ce non-lieu, Josette Ossin et ses avocats ont fait un recours qui a été rejeté en 1966 par la Cour de cassation dans des conditions assez complexes parce qu'en fait, il y a eu plusieurs décrets d'amnistie et il a fallu un nouveau décret en 1966 pour que le non-lieu soit consolidé. Sur le plan juridique, j'avoue que les conditions précises m'échappent, c'est d'une grande complexité, mais il y a une raison politique aussi, à mon sens, c'est qu'en fait, par ailleurs, Henri Allègre et les cadres du Parti communiste algérien auquel Maurice Audin appartenait ont été traduits en procès devant le tribunal militaire d'Alger en 1960, et Maurice Audin faisait partie des personnes poursuivies, ce qui a donné lieu évidemment à toute une dénonciation, toute une campagne de dénonciation. Le comité Audin a produit des petites cartes postales montrant un cercueil assis au box des accusés, disant « Accusé Audin, levez-vous », parce qu'il était accusé alors qu'il avait disparu. Donc ils ont disjoint en fait le cas d'Audin. Et en fait, jusqu'en 1966, les communistes qui ont été condamnés dans le cadre de ce procès de 1960, dans lequel Maurice Audin avait été... impliqués, eh bien, jusqu'en 1966, ces condamnés de 1960, ces condamnés communistes de 1960, n'étaient pas amnistiés. Hein. Et donc, il y avait quelque chose quand même d'un petit peu paradoxal, pour utiliser un mot qui n'est pas trop fort, au plan politique, c'est que si le non-lieu était validé, et donc le pourvoi, les pourvois intentés par les avocats de Josette, eh bien, s'il était rejeté, on se serait trouvé dans cette situation paradoxale qu'il n'y avait plus moyen de poursuivre les éventuels responsables de la mort d'Audin, qui, eux, étaient donc amnistiés sans même avoir été poursuivis, alors même que les militants communistes de 60, au sein desquels Maurice Audin aurait dû être inclus, étaient toujours punis.
Donc je pense que au-delà de toute interprétation juridique, il y avait certainement là politiquement une situation relativement gênante qui peut expliquer que le rejet est intervenu après ce texte d'amnistie de 1966. Alors José Taudin a continué quand Denis Salas parlait d'oubli, c'est une véritable bataille en fait pour la reconnaissance et aussi la recherche de la vérité que Josette a menée. Elle attendait vraiment une parole de la justice, finalement, de quelque instance que ce soit, parce qu'une parole de la justice est une parole officielle. Alors, elle avait également, quand je dis elle, bien sûr, il s'agit de ses avocats, elle en a eu de multiples au cours de ces décennies, une procédure d'indemnisation a également été entamée, qui a abouti par une décision du Conseil d'État en 1978 de rejet et ce qui a occasionné une nouvelle édition de l'affaire Audin de Pierre Vidal-Naquet en 1979 dans laquelle il disait que le Conseil d'État avait apporté sa pierre au déni de justice que Josette Audin avait connu jusque-là. En 1983, Josette Audin et ses trois enfants, je vous ai parlé tout à l'heure de Pierre et Michel Audin, mais il y avait aussi Louis, il y avait trois enfants au moment où Maurice Audin a été arrêté et a disparu. Josette Audin et ses trois enfants ont reçu une indemnisation par une décision du garde des Sceaux de l'époque qui était Robert Badinter, tout simplement parce que Robert Badinter s'était beaucoup engagé, il a été l'avocat du comité Audin, et donc c'est par une décision de Robert Badinter en 1983 qu'une indemnisation a été versée à Josette Audin et ses trois enfants. En 2001, dans le contexte de la publication des ouvrages de Paul Haussarès, que vous avez certainement entendu, dont vous avez certainement souvenir, Nicole Dreyfus a déposé une plainte contre X au motif du crime contre l'humanité, plainte qui n'a pas été instruite et qui a été rejetée en 2003 également par la Cour de cassation. On pourra revenir un petit peu plus longuement, si vous le souhaitez, sur les motifs pour lesquels cette plainte a été rejetée. Et il y a un article d'Isabelle Fouchard, qui est une spécialiste de l'incrimination de crimes contre l'humanité dans l'ouvrage qui a été présenté, qui vous donnera des détails extrêmement précis. Si vous voulez, j'y reviendrai rapidement dans les questions. Alors, pour Josette Audin, il y avait toujours une insatisfaction. Je crois que ces décennies, cette persévérance sur des décennies le prouve, y compris l'indemnisation financière de 1983 et quelque chose d'ailleurs qu'elle avait un petit peu de mal même à reconnaître. Elle avait du mal à imaginer, à admettre que cette indemnisation aurait pu valoir un point final et réparation. Et je crois que sur le fond, en réalité, pour moi qui l'ai connu un certain nombre d'années et qui est bien connu également ses enfants, je crois que mon expérience, ma petite expérience à leur côté, montre qu'en réalité, rien ne répare jamais et l'insatisfaction demeure et c'est ce qui explique aussi cette persévérance. Alors, Josette Audin avait deux demandes. C'était d'une part la reconnaissance de la responsabilité de l'État et d'autre part la recherche de la vérité, parce que j'y reviendrai, on ne sait toujours pas aujourd'hui comment Maurice Audin est décédé et ce qui lui est précisément arrivé à El Biar à partir du moment où il y a été conduit. Et donc c'est en cela que la déclaration d'Emmanuel Macron du 13 septembre 2018 est très importante. Ce n'est pas une déclaration qui est venue seule. Comme toutes les mesures que le jargon des historiens appelle des mesures de politique publique de la mémoire, c'est une mesure en réponse à. En fait, Josette Audin a... Alors, en 2001, vous avez Haussarès. Si vous vous souvenez bien, il y avait eu l'appel des 12 qui demandait à Lionel Jospin et Jacques Chirac de reconnaître la pratique de la torture en Algérie pendant la guerre, qui n'avait pas abouti. Quand Nicolas Sarkozy a été élu, Josette Audin lui a écrit pour lui demander d'accéder à cette demande de reconnaissance et de l'aider à faire la vérité sur le sort de son mari, mais elle n'a pas obtenu de réponse. Et d'ailleurs,
En contestation, sa fille Michèle a refusé la Légion d'honneur qui, par ailleurs, devait lui être octroyée cette année-là. En 2012, elle a écrit à François Hollande qui avait fait un premier pas dans un double sens. Une déclaration disant que Maurice Audin était mort durant sa détention, donc qui était importante parce qu'en fait, c'est la première fois que, officiellement, la version de l'évasion n'était plus la version officielle défendue par l'État, mais qui, d'un autre côté, n'allait pas au bout, puisque mort durant sa détention, c'est une formule qui aurait pu laisser imaginer, et d'ailleurs, pourquoi pas, puisqu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé, qu'il s'est peut-être suicidé dans sa cellule, comme d'autres détenus peuvent le faire dans des circonstances complètement différentes en prison. Surtout, il fait communiquer des documents qui étaient présents dans les archives militaires. Elle avait été reçue par Jean-Yves Le Drian, et des archivistes lui avaient fourni des documents, copies de documents dans les archives militaires, et puis elle avait aussi obtenu communication de pièces d'archives qui étaient détenues dans des fonds divers aux archives nationales, archives bien de la justice bien sûr, hein, sauf que bien sûr elle connaissait déjà les pièces puisque le dossier était connu par ses avocats, mais j'y reviendrai, toute une série de documents. Et donc, en 2000, après l'élection d'Emmanuel Macron, il y avait toujours l'insatisfaction demeurée parce qu'il n'y avait pas la reconnaissance de la responsabilité de l'État et puis il n'y avait pas la vérité. Et donc, c'est dans ces conditions qu'en 2017, eh bien, le combat a redémarré avec un appui important qui était celui de Cédric Villani, puisqu'en fait, Cédric Villani est, comme vous le savez, mathématicien. Les enfants de Josette et Maurice, Michel et Pierre, sont mathématiciens et en fait ils se connaissent des réseaux mathématiciens, et en fait Cédric Villani s'est beaucoup engagé pour la reconnaissance. C'est un processus complexe mais qui a fini par aboutir à la déclaration que j'ai mentionnée. Alors cette déclaration de la reconnaissance de la responsabilité de l'État, elle est passée par l'apport des travaux historiques, et c'était d'ailleurs un constat que les conseillers d'Emmanuel Macron ont fait, parce qu'ils ont bien sûr reçu de multiples historiens pour savoir un peu où nous en étions dans nos travaux. Ils ont fait le constat que finalement la recherche historique était en avance sur la reconnaissance politique, parce que chez les historiens, il n'y a pas de doute sur les faits qu'il existait, au moins à Alger en 1957, un système qui produisait, susceptible massivement de permettre des disparitions de personnes arrêtées. Ce système, je vous le résume à grands traits ici. Il y a d'abord un décret du 16 mars 1956, qui est un décret des pouvoirs spéciaux, que vous connaissez peut-être, qui a permis en Algérie la délégation des pouvoirs de police aux autorités militaires. C'est de la sorte que la 10e DP du général Massu à Alger, à partir de janvier 1957, a reçu les pouvoirs de police, et l'IGAM d'Alger qui a délégué ses pouvoirs au général Massu. Ensuite, le 11 avril 1957, il y a l'officialisation des centres de tri et de triage. Je vous ai dit que Maurice Audin avait été emmené au CTT d'Elbiar. Ces centres de tri et de triage, ils existaient avant cette circulaire dont je vous ai reproduit ici la phrase essentielle. Cette circulaire, en fait, énonce que les personnes assignées à résidence sont gardées à vue dans des camps de triage organisés et contrôlés par l'autorité militaire. Donc c'est là qu'il y a la mise en place du système que je vous expliquais tout à l'heure. Les militaires arrêtent un individu, ils doivent, mais rien en réalité ne les y oblige et rien ne permet de savoir qu'ils le font réellement, ils doivent en informer le secrétaire général de la préfecture de police d'Alger, qui doit signer un arrêté d'assignation en résidence dans un CTT. Là, vous avez l'expression « camp de triage ». Avec le temps, le sigle CTT s'est imposé pour centre de tri et de transit ou bien centre de triage et de transit. C'était un peu flottant. Ce système à Alger fonctionne d'une façon extrêmement rationalisée, mais il est devenu le système légal encadrant les pratiques militaires sur l'ensemble du territoire algérien sans que l'on ait en réalité
jusqu'en 1962 les moyens réels de savoir où étaient détenues les personnes arrêtées par l'armée et qui étaient dans les CTT. Je vous ai mis à ce titre un petit extrait, enfin des données qui sont tirées d'un rapport de 1960 d'un inspecteur adjoint des finances sur la gestion des CTT, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une différence entre le nombre de rationnaires nourris au titre des CTT et les effectifs déclarés par la voie du commandement militaire. Donc on a demandé une inspection à cet inspecteur adjoint des finances. Et donc le résultat, le rapport fait des dizaines de pages, je vous le résume ici, c'est qu'en novembre 1959, il y avait 113 CTT en Algérie, mais que le commandement militaire avait déclaré en moyenne mensuelle chaque mois sur janvier, août, 17 440 suspects détenus, mais ils avaient budgété sur la même période en moyenne mensuelle 19 950 rationnaires. Donc il y avait une différence moyenne de 2510 unités entre le nombre de personnes déclarées détenues dans les CTT et le nombre de rations budgétées. Alors, ça montre à minima qu'il y a une absence de contrôle. Précisément, il y a dans les CTT des gens qui sont détenus sans qu'ils aient été déclarés, mais surtout, il y a également des gens qui sont détenus ailleurs que dans des CTT, dans des casernes, des écoles, des fermes que l'armée utilise comme locaux de détention et d'interrogatoire. Tout cela ne veut pas dire grand-chose de plus, parce que ces histoires de rationnaires ne nous permet pas de dire qu'il y avait 2510 personnes en moyenne en plus, parce que est-ce qu'une ration correspondait à un détenu ? Quand on voit les témoignages de ce que les gens recevaient, c'est pas du tout évident. Mais en tout cas, ce rapport est important parce qu'il permet de montrer de façon assez claire et pédagogique, je trouve, quelles sont les failles du système, comment il y a quand même une connaissance de ces failles, parce qu'il y a des moyens quand même, il y a des choses qui paraissent un peu étranges, mais aussi ce qui est très important, c'est de montrer que même si le système arrestation-détention est très connu pour 1957, et puis y compris parce que si vous avez vu la bataille d'Alger, vous en avez des éléments, même si vous n'avez pas l'aspect légal, en réalité, c'est un système qui, dans son principe, a fonctionné sur l'ensemble de l'Algérie jusqu'à la fin de la guerre. Et donc, c'est cet argumentaire-là qui a permis la déclaration d'Emmanuel Macron. Avec, pour Josette Audin, toujours une terrible insatisfaction, le mot insatisfaction est même trop peu, pas assez fort pour dire ce qu'elle a ressenti, parce qu'en en fait, on a abouti à un paradoxe. Il y a pu y avoir une reconnaissance de la responsabilité de l'État, et c'était pour elle quelque chose de très important, mais sans que la vérité sur les circonstances du décès de son mari soit connue, alors que pour elle, les deux allaient de pair. Et donc, pour les historiens, c'était une situation assez paradoxale, avec, je dois le dire quand même, une satisfaction à l'idée que nos travaux avaient permis cette reconnaissance, mais d'un autre côté, la première fois en fait que Josette Audin a eu le texte entre les mains, sa première parole a été « alors on ne saura jamais la vérité ». Ce qui veut dire qu'il restait une déception, et quand je dis déception, insatisfaction, encore une fois, ce sont des mots qui ne sont pas assez forts. L'enquête, pour autant, n'a pas été abandonnée. Quand je vous disais au début de cette conférence que le livre dont je vous ai montré la table des matières et la couverture sur la première diapositive a été composé notamment avec François de Merliac, un documentariste, et Nathalie Funès, une journaliste, il y a eu des tentatives pour reprendre l'enquête sur la vérité, mais en réalité on est arrivé à des hypothèses sans aucune preuve pour aucune d'entre elles. En deux mots, il demeure trois hypothèses, toujours malgré tout l'étranglement par le lieutenant Charbonnier, parce que rien ne permet de prouver que ce ne soit pas le cas.
Deuxième hypothèse, c'est ce que le général Ossarès a défendu, là je reviendrai en arrière après, voilà, dans un ouvrage que Jean-Charles Degnaud a publié, La vérité sur la mort de Maurice Audin. Paul Ossarès ne voulait pas parler de Maurice Audin quand il a publié ses livres en 2000-2001. Et il a fini, sur l'insistance de Jean-Charles Degnaud, qui l'a interrogé de nombreuses fois, alors même qu'il était très malade, très âgé, et qu'il a dit des choses un peu contradictoires à Jean-Charles Degnaud. Bref, en tout cas, il a fini par dire que Maurice Audin avait été exécuté par l'un de ses commandos. Le problème de cette hypothèse est qu'on ne voit pas pour quelle raison. Parce que, en fait, sauf une raison qui n'est pas dissible par Ossarès ni par les militaires, Paul Ossarès a dit que Maurice Audin avait été exécuté par l'un de ses commandos, pour l'exemple. Sauf qu'à Alger, à cette époque, tout le monde sait qu'on peut disparaître après avoir été arrêté par l'armée, et qu'en outre, c'est un petit peu difficile de croire à une logique d'exemplarité, alors même que les choses n'ont pas été rendues publiques. Donc l'idée qu'il ait été exécuté pour l'exemple ne tient pas. Elle ne tient pas non plus sur la personnalité qu'était Maurice Audin, et c'est pour ça que je me suis permis d'insister au début de ma conférence sur ce point, parce que les exécutions des commandos d'Ossarès étaient plutôt réservées, si je puis dire, à des prisonniers importants. Et l'exécution de Maurice Audin, alors même qu'Henri Alleg, lui, restait en vie, n'avait guère de sens. C'était Henri Alleg, l'homme important, recherché. Exécuter Alleg aurait quand même été compliqué parce que son cas était aussi public. Voilà. Mais pourquoi exécuter Audin? Ça n'avait pas de sens. La seule raison qu'il pourrait y avoir, et qui, je vous l'ai dit, n'était pas dissible, c'est que Maurice Audin aurait été trop marqué par les tortures qu'il avait subies et qu'il n'était plus possible de le laisser en vie parce que son corps marqué devenait une preuve de la pratique de la torture. En fait, dans les instructions de plainte qui ont été déposées pour des sévices pendant cette guerre, c'est une des questions que j'avais traitées dans ma thèse dont Denis Salas a eu la gentillesse de rappeler le titre en me présentant, les juges d'instruction expliquaient qu'ils commettaient des médecins légistes, mais que les médecins légistes, de toute façon, ne pouvaient pas repérer de traces prouvant la pratique de la torture, et quand bien même les corps étaient marqués, ça aurait pu être des marques provenant d'autre chose que de la torture. Et donc, il n'y avait pas de preuves par l'examen médico-légal des pratiques de la torture. Mais en revanche, on peut imaginer que d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas laquelle, mais le corps de Maurice Audin aurait été tellement marqué par la torture qu'il n'était plus possible de le laisser en vie, ni de rendre son corps à la famille, hein, puisque là, on aurait eu des preuves qu'un médecin aurait pu constater. Il y a une troisième hypothèse qu'il faut aussi envisager, c'est que Maurice Audin soit décédé sous la torture, j'ai envie de dire tout simplement. Et là encore, il n'était pas possible de rendre son corps à la famille en raison des marques qu'il portait. Donc il fallait escamoter le corps et camoufler le décès par cette mise en scène d'évasion. Alors ces trois hypothèses, elles demeurent. Et Josette Audin a donc, je vous l'ai dit, en 2013, demandé et obtenu communication d'archives. Et la déclaration d'Emmanuel Macron, le 13 septembre 2018, a également un volet archivistique. Elle prévoit l'ouverture des archives qui concernent les disparus de la guerre d'indépendance algérienne. Tous les disparus, pas seulement les disparus type Audin, si je puis dire, qui ont été arrêtés par l'armée ou la police française, mais également les Européens d'Algérie qui ont disparu enlevés en 1962, ou les Harkis qui ont disparu. Pour l'instant, cette dérogation, c'est une mesure de dérogation générale d'ouverture des archives, n'a pas abouti, sauf concernant Audin. En fait, Josette avait déjà vu des archives en 2013, donc il y a eu, le 9 septembre 2019, un an après la déclaration d'Emmanuel Macron, un arrêté qui a ouvert à tous les archives que Josette avait vues en 2013.
Alors, je vous en ai mis quelques exemples ici pour vous montrer pourquoi les archives ne permettent pas d'avancer dans la quête de la vérité. D'abord, vous l'aurez compris par l'explication que je vous ai faite du système arrestation-détention, on a affaire à un système où il y a un camouflage, où on n'a pas de traces administratives, où on a des traces biaisées, ne serait-ce que les dates des arrêtés d'assignation à résidence ne nous disent pas la réalité de la date de l'arrestation. Et puis, sans compter les gens qui sont détenus sans qu'aucun arrêté n'ait été signé. Donc, à partir du moment où on a affaire à des pratiques qui ne sont pas encadrées, eh bien, on n'a pas de traces écrites, puisque les archives, ce sont en fait les papiers de l'époque, produits à l'époque, qui ont été conservés, inventoriés, et que nous pouvons aujourd'hui aller consulter. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les archives concernant le cas de Maurice Audin? Mais je tiens à dire que c'est le cas pour tous les disparus de la guerre. Eh bien, par exemple, à Aix-en-Provence, où on a des archives ramenées d'Algérie, dans les archives du service régional de la police judiciaire d'Alger, il y a un avis de recherche du 18 juillet 1957 qui mentionne Maurice Audin. Bien évidemment, puisqu'il est censé s'être évadé, on produit un bulletin de recherche. Donc, en fait, on tombe sur les archives produites par le mensonge de l'évasion. Je peux vous donner un autre exemple dans les archives militaires. Il se trouve que le passager de la Jeep, je vous ai dit tout à l'heure que Maurice Audin avait été placé à l'arrière d'une Jeep. Il y avait un chauffeur et un passager qui était le sergent Misiri et qui était censé veiller à ce qu'Audin ne s'évade pas. Eh bien, Misiri a été puni parce qu'on a considéré qu'il était responsable de l'évasion. Donc, dans les archives militaires, on trouve le relevé de punition du sergent Misiri parce qu'il est responsable de l'évasion d'Audin. Donc, en fait, les archives, pour des historiens, c'est très intéressant parce qu'elles documentent le mensonge et la construction du mensonge et la façon dont le mensonge produit des effets, mais y compris en toute sincérité. C'est-à-dire que le service régional de la PJ d'Alger ne sait pas forcément, lui, que le mensonge est une mise en scène, mais logiquement, on signale une évasion et produisent un bulletin de recherche. C'est dans la logique de l'action. On trouve ensuite, deuxième exemple que je vous ai mis, je ne sais pas si vous pouvez bien lire, dans les archives départementales d'Ille-et-Vilaine, dans les archives de la cour d'appel de Rennes, le dossier de procédure, bien sûr, qui a été clos par un non-lieu en 1962. C'est la règle pour les archives judiciaires, elles sont versées dans les archives départementales du ressort des tribunaux. Et donc, là, c'est le deuxième type d'archives que l'on trouve et qui ne nous permet pas d'accéder à la vérité. Ce sont les archives produites par la recherche de la vérité à l'époque, mais dans la mesure où la vérité n'a pas été connue à l'époque, on ne la trouvera pas plus aujourd'hui. Et d'ailleurs, le dossier de la procédure n'a strictement rien de neuf pour Josette Audin, puisque par ses avocats, elle en connaissait le contenu. Et donc, on voit tous les procès-verbaux de témoins, toutes les dépositions de témoins que le juge a enregistrées, mais qui sont ni plus ni moins que les dépositions de témoins faites à l'époque et donc qui ne permettent pas plus aujourd'hui de savoir la vérité. Alors ensuite, il y a des archives, des documents dans lesquels on avait placé un certain espoir et qui finalement, si tant est qu'on puisse espérer un jour trouver la vérité quelque part, c'est peut-être dans ce type d'archives qu'on peut le trouver. Ce sont des archives privées, ou plus exactement, je dirais, privatisées. En fait, nombre de militaires, de responsables, qui étaient en poste à Alger en 1957, mais d'ailleurs aussi partout ailleurs en Algérie pendant la guerre, sont partis au moment où ils ont quitté leur fonction avec leurs papiers. Donc, les papiers qu'ils avaient produits dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, qui sont donc normalement des archives publiques, mais qu'ils ont privatisés en les traitant comme des archives privées. Alors, c'est le cas du colonel Godard. Alors, c'est une histoire assez rocambolesque, si je puis dire. Le colonel Godard, il commandait le secteur militaire Alger-Sahel dans lequel se situait le CTT d'El Biar où Audin était détenu. Ensuite, il a dirigé la Sûreté nationale en Algérie et puis il a été rappelé en métropole en 1960 parce qu'il était un opposant à la politique du général de Gaulle, lui était un très fervent partisan de l'Algérie française. Et lorsqu'il y a eu le putsch de 1961, il a gagné l'Algérie
Il s'est engagé dans le putsch, il s'est engagé ensuite à l'OAS, et donc il a fait l'objet de poursuites par contumace. Il a même été condamné à mort par contumace, et en fait, après 1962, il n'est jamais revenu en France, même après les lois d'amnistie qui auraient pu le lui permettre, et il est décédé en 1975 en Belgique. Et donc, quand il a été poursuivi en raison de son implication dans le putsch, eh bien, il y a eu une perquisition à son domicile métropolitain, et à ce moment-là, les policiers procédant à la perquisition ont trouvé des dossiers qu'il avait ramenés d'Alger. Donc, si vous me suiviez bien, il était commandant militaire du secteur Alger Sahel, directeur de la Sûreté nationale Algérie. En 60, on le rappelle, en métropole, il ramène ses papiers avec lui, il les range. Il les dépose chez lui dans son domicile. En 61, il part pour le putsch. Là, on déclenche une procédure et lors de la perquisition à son domicile, on saisit les documents, ou en tout cas des documents, parce que ce n'étaient pas les seuls, des documents qu'il avait ramenés d'Alger. Si vous pouvez lire, il y a écrit un document coté et paraffé 1 à 188 lors de la mise sous scellé le 4 juillet 1961 en présence de Madame Godard. Et donc, les scellés Godard, c'est comme ça que nous avons pris l'habitude de les appeler, sont aujourd'hui conservés dans les archives de la Cour de sûreté de l'État aux archives nationales. Alors, ce sont des papiers dans lesquels on aurait pu placer un certain espoir parce que, en fait, Yves Godard, au moment où il rédigeait ses notes, et il a classé tout ça, hein, c'est vraiment des classeurs, il a mis même des annotations, etc. Il ne savait pas qu'il n'allait pas les garder. Donc, il n'y a pas l'autocensure éventuelle de quelqu'un qui se dit « Bon, un jour, ça peut tomber entre les mains de... Hein, » voilà. Et puis... il n'a pas eu le temps de les détruire non plus. Hein. Donc on aurait pu espérer trouver des éléments, il n'y en avait pas, mais c'est certainement le type de document dans lequel on peut éventuellement espérer trouver des éléments, non pas, à mon avis, un document donnant de façon brute la version de ce qui était arrivé à Maurice Audin, mais plutôt des documents dans lesquels on peut trouver des éléments qui vont venir infirmer ou confirmer l'une des trois hypothèses que nous avons, qui, pour l'instant, fonctionnent un peu, si j'en donne une image, comme des puzzles incomplets, et donc les éléments qu'on pourrait trouver chez des papiers qu'un militaire aurait ramenés, gardés chez lui, peut-être encore aujourd'hui, un élément qui vienne compléter l'un des trois puzzles, ou au contraire, ne pas du tout correspondre à deux d'entre eux, et donc par déduction, la troisième hypothèse pourrait être la bonne. C'est une opération quand même complexe, qui a été menée, qui l'est moins aujourd'hui, parce que c'est le genre d'enquête extrêmement difficile. Et puis surtout, c'est un point que je vais développer en parlant maintenant des témoins, on s'est aperçu avec le temps, en particulier avec Nathalie Funès, journaliste, et François de Merliac, documentariste, qu'en réalité, rien ne remplace l'enquête policière ou judiciaire. Je vais le développer à partir des témoins. Bien évidemment, dans les archives, ça n'est pas du tout évident de trouver des documents, mais il reste les témoins. Alors aujourd'hui, ils sont très peu à être encore en vie. Ceux qui sont encore en vie sont très malades. Et puis, il y a toujours une peur intégrée. Je pense notamment à un jeune appelé qui était en poste à Elbiar en 1957, qui d'ailleurs a été auditionné par le juge d'instruction de Rennes, qui est toujours en vie, mais en fait, lui était juste un jeune appelé que les hasards des affectations ont conduit à Elbiar en 1957, jeune appelé rural, hein, il venait de son village du Maine. Voilà, à qui on a fait peur, hein, on est venu, avant qu'il aille voir le juge à Rennes, on est venu le voir, on lui a dit qu'il ne fallait pas qu'il dise, donc il a fait une déposition relativement lénifiante, eh bien ce monsieur a toujours peur. Il a vraiment intériorisé cette peur et donc il ne veut pas en entendre parler. Alors je vous ai mis là quelques citations
pour comprendre les mécanismes qui jouent et que nous avons rencontrés comme obstacles auprès des témoins. D'abord, une citation de Saint-Exupéry que Élie de Noy de Saint-Mars a reprise dans ses mémoires et qui dit bien qu'il y a une forme de solidarité et de complot du silence sans qu'il y ait pu y avoir formellement un serment, même si ça a déjà été évoqué. Cette citation de Saint-Exupéry est la suivante. « Puisque je suis l'un d'eux, je ne renierai jamais les miens quoi qu'ils fassent. Je ne parlerai jamais contre eux devant autrui. » S'il est possible de prendre leur défense, je les défendrai. S'ils sont couverts de honte, j'enfermerai cette honte dans mon cœur et je me tairai. Quoi que je pense alors d'eux, je ne servirai jamais de témoin à charge. C'est une situation qui explique très bien, je crois, le silence que l'on rencontre lorsque l'on va à la rencontre de militaires au sujet de cette affaire. Je vous ai mis un autre exemple, parce que les mécanismes sont complexes. On croit souvent que les gens, l'âge aidant, l'approche de la fin de vie arrivant, cherchent à se libérer et parlent. Ce n'est absolument pas ce que nous avons rencontré, et c'est même très précisément le contraire. Et je vais vous donner là l'exemple de Yves Comeau. Alors Yves Comeau, lui, c'était le chauffeur de la Jeep. Et lorsque Ossarès a sorti ses livres en 2001, le nom d'Yves Comeau était dans les livres d'Ossarès. Et ce qui est arrivé à Yves Comeau, c'est que ses enfants ont découvert à ce moment-là ce qu'il avait fait en Algérie. Et donc, en fait, Yves Comeau s'est trouvé en butte à des demandes d'explication de ses enfants. Il n'a pas souhaité se livrer longuement, mais avec Nathalie Funès, nous l'avons eu une fois au téléphone et nous avons compris qu'il s'était passé, compris peut-être des ruptures avec les enfants sur le fait qu'en lisant le livre d'Ossarès, ils avaient découvert que leur père était le chauffeur dans la Jeep lors de la pseudo-évasion de Maurice Audin. Alors qu'a fait Yves Comeau ? Eh bien, il a donné une interview, il était de Pau, il est décédé aujourd'hui, il a donné une interview dans la République des Pyrénées dans laquelle il ajoute un mensonge. Il déclare en page 3, le journaliste lui demande « Mais quel fut votre rôle dans cette affaire ?» Alors il dit qu'il faisait partie d'un groupe d'intervention, qu'il était nuit et jour sur le terrain. Un jour, on est venu le chercher pour qu'il serve de chauffeur dans le transport d'un prisonnier. Et il est parti sans armes. L'homme d'escorte avait un pistolet mitrailleur. Donc l'homme d'escorte, c'est Misiri qui après s'assoit à côté de lui, à droite dans la Jeep. Et lui dit « L'homme d'escorte est revenu avec un prisonnier » cagoulé qui s'est assis à l'arrière. Et cette histoire de cagoule n'était absolument jamais apparue auparavant. Et donc en fait ce qui se passe c'est que Comeau, dont les enfants découvrent qu'il était chauffeur de la Jeep dans la pseudo-évasion d'Audin, pour se dédouaner parce qu'en difficulté face à ses enfants, éventuellement face à d'autres proches, eh bien ment. Il dit bah, l'homme qui était derrière il était cagoulé, donc je ne savais rien et je ne sais même pas si c'était Maurice Audin. Donc, en réalité, il y a de multiples mécanismes qui font que les témoins se dérobent, se taisent ou mentent. Et quand je vous disais, avant de passer à cette diapositive, qu'il y a ce constat auquel nous avons abouti, c'est que finalement, les historiens, les journalistes, les documentaristes sont démunis, c'est que finalement, nous n'avons aucun pouvoir d'interrogatoire. Nous n'avons aucun pouvoir officiel. Hein, et nous en sommes venus à la conclusion que dans la recherche de la vérité sur ce type de disparition pendant cette guerre, ne pouvait être menée que par une instance officielle qui aurait pu convoquer des témoins et les entendre, non pas dans des conditions où on peut se garantir qu'ils cessent de mentir, mais en tout cas dans des conditions tout à fait différentes, alors que nous, tout simplement, nous téléphonons aux gens ou nous envoyons des mails, même si ce ne sont pas des gens qui pratiquent le mail, on prend rendez-vous quand ils acceptent de nous rencontrer, on va frapper à la porte, et on, voilà. Mais nous n'avons aucun pouvoir et nous ne représentons aucune autorité. Alors, ça fait que pendant l'année 2018, quand on n'avait pas encore eu cette idée que finalement, ben, il était possible de déconnecter la recherche de la vérité et la responsabilité de l'État, hein, parce que si on n'avait pas déconnecté les deux, rien n'aurait pu être fait, aucune reconnaissance. On était encore dans l'idée qu'il fallait passer par la découverte de la vérité pour qu'il puisse y avoir la reconnaissance de la responsabilité de l'État. On avait pensé à un moment donné
pourquoi pas une commission d'enquête parlementaire sur les disparus, sauf qu'on s'est dit que ça allait être quelque chose de très compliqué et qui allait ouvrir un débat politique sur la pratique de la torture, qui n'est pas sans intérêt, mais que la recherche de la vérité sur le cas Audin, qui était ce qui primait pour Josette et les siens, elle risquait d'être largement perdue de vue. Mais ça explique aussi pourquoi il y a ce dépôt de plainte contre crime contre pour du motif de crime contre l'humanité en 2001. C'est l'idée que, en réalité, l'enquête ne peut pas être menée sans pouvoir et sans moyens. Pour aller encore plus loin, il est arrivé que la famille Audin reçoive des indications sur d'éventuels emplacements de la dépouille de Maurice Audin. Vous imaginez les moyens d'investigation scientifique qu'il faudrait pouvoir mettre en œuvre pour vérifier, et y compris en passant par une coopération avec les autorités algériennes, ce qui complique d'autant plus les choses. Alors, pour finir, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui a joué un rôle fondamental dans cette histoire, qui est Pierre Vidal-Naquet, et pour montrer aussi que finalement l'affaire Maurice Audin, vous l'aurez compris, pour moi comme historienne, ce n'est pas qu'une affaire d'historienne, c'est devenu une histoire sensible, mais c'est aussi un cas, je dirais, pour les historiens, qui est très intéressant parce qu'il a mêlé d'emblée la recherche de la vérité, la collecte de sources et l'analyse historique. Et donc je vous ai mis là un peu en enchaînement les ouvrages que Pierre Vidal-Naquet a produits. Son premier ouvrage, c'est l'affaire Audin, où il utilise les pièces de la procédure en 1958 pour démontrer que l'évasion est un mensonge. Et puis ensuite, au sein du comité Maurice Audin, comme il cherchait à faire la lumière sur ce qui était arrivé, ils ont en fait collecté quantité de documents ou de témoignages. Bon, il est arrivé, par exemple, que des soldats leur envoient des photographies de documents qu'ils avaient pris lorsqu'ils étaient de service en Algérie, mais pas seulement des documents sur Audin, des documents sur la torture ou des violences militaires. Ce qui fait que Vidal-Naquet a publié en 1962 d'abord un ouvrage qui s'appelle « La raison d'État », qui pour les historiens est un type d'ouvrage assez classique, qui est en fait une édition de documents commentés. Donc Vidal-Naquet a publié des documents qui lui avaient été envoyés ou qu'il avait trouvés en menant dans son engagement sur l'affaire Audin. Et puis le stade final, si je puis dire, c'est l'analyse de tout cela, et donc La torture dans la République, qui a d'abord été publié en anglais avant d'être traduit et publié chez Minuit également en 1972. La torture dans la République est la première analyse de la pratique de la torture et de son impact sur différents corps de l'État. Le livre est organisé, c'est la torture et l'armée, la torture et la police, la torture et la justice, la torture et... voilà. Ce qui fait que l'affaire Audin, en fait, pour les historiens, je l'ai peut-être présenté là d'emblée sous un volet sensible, parce qu'avec le temps et la connaissance de la famille Audin, c'est devenu quelque chose de sensible, mais c'est aussi pour les historiens quelque chose de fondateur, parce qu'en fait, à travers ces ouvrages de Pierre Vidal-Naquet, c'est le début des travaux historiques sur cette question. Bien, merci beaucoup Sylvie de cette présentation. On a effectivement également dans l'ouvrage, on n'a pas évoqué le fait que c'est un collectif, oui, cet ouvrage, il faut le dire, puisque tu as évoqué effectivement l'article de Isabelle Fouchard sur le crime contre l'humanité commis par l'armée française pendant la guerre d'Algérie, et puis beaucoup d'autres articles, notamment des extraits de La raison d'État, mm-hmm, de Pierre Vidal-Naquet dont tu viens de parler, et puis effectivement d'autres textes de la famille Audin, et notamment aussi la lettre de Laurent Schwartz qui avait été envoyée à Josette Audin à l'époque. Et voilà, donc c'est vraiment un collectif sur lequel, effectivement, qui fait le point sur cette affaire Audin. On va peut-être engager la discussion, simplement pour dire quand même que Josette Audin a eu satisfaction en partie. Oui. Hein, c'est ce qu'il faut retenir de ton exposé. La vérité est inaccessible, mais elle a eu une reconnaissance officielle
par les autorités de l'État de le fait que la version de la fuite qui était proposée était erronée et que le système de la torture avait bien existé et était la cause de la mort de Audin. On aura d'autres exemples historiques ou même plus contemporains, où, notamment en Amérique latine ou même en Espagne post-franquiste, où les juges ont pu effectivement aller, parce que tu évoquais le fait qu'il faut que la justice intervienne, on aurait pu aller plus loin et effectivement investiguer dans des charniers où on retrouve des squelettes, où on examine par des tests ADN les corps, et ce qu'il en reste du moins, et qu'on peut réidentifier. L'Espagne franquiste l'a fait, hein, et on a pu, les victimes ont supervisé ces recherches, et on a pu réidentifier par des tests ADN l'identité des personnes qui ont été torturées et donc décédées à cette époque-là. Donc il y avait une piste possible. Et le juge Guzman au Chili a exploré cette piste, et d'autres juges en Espagne aussi, qui ont pu tout de même toucher de très près la vérité, puisqu'on a pu identifier les corps, et donc les familles ont eu satisfaction. Donc ce n'était pas totalement impossible, puisque ça a été possible dans d'autres sites. J'aimerais retrouver la citation exacte de Saint-Exupéry, ça m'intrigue. Samar ne la donne pas, je vois dans la référence que tu donnes, mais peut-être que c'est l'hypothèse que je fais, c'est que c'est un personnage dans des romans de Saint-Exupéry. Ah, possible, oui, bien sûr. C'est possible, hein, parce que ça me semble très, oui. très écrit, et peut-être c'est un personnage qui l'a cité, mais c'est habile peut-être. De la part de Samar de la cité pour exalter finalement la solidarité des frères d'armes, des militaires entre eux, dont Saint-Exupéry effectivement pouvait le faire. Bien, on a peut-être un peu... Oui, on a du temps pour des questions. Donc, je m'adresse à la salle pour savoir s'il y en a. Monsieur, présentez-vous peut-être pour la personne. Bonsoir. Mais on est enregistré sur le site de la Cour, et donc la caméra se braque sur vous en ce moment-là. Donc. Oui. Alors, quel parallèle vous pouvez faire entre les techniques de distorsion, voire de camouflage de la vérité utilisées par l'armée française à l'époque, qui agit en tant que, vous l'avez rappelé, en tant que force de police, hein, en pleine bataille d'Alger, les méthodes aujourd'hui utilisées par la police française aujourd'hui pour parfois se dédouaner ou tout du moins réfuter leur responsabilité dans les utilisations illégitimes ou en tout cas disproportionnées de la violence qui ont mené à la mort de certaines personnes. Je pense par exemple à Zineb Redouane, cette femme qui a été tuée à la suite de blessures, où notamment on a le capitaine de police qui dit qu'il ne veut pas parler, il ne se rappelle pas des noms des personnes. Je pense aussi à Steve Canisso, qui était d'ailleurs longtemps disparu et après dont on a retrouvé le corps, où là aussi on voit qu'il y a des techniques de distorsion de la vérité. Et même quand on a la différence avec 1957, c'est que souvent maintenant on a des films, et même quand on a des vidéos importantes comme la mort de Cédric Chouviat, où on a aussi très vite des policiers qui arrivent à élaborer une version alternative, des faits alternatifs, une vérité, comme pour citer le président des États-Unis. Quel parallèle vous faites entre ces deux moments, ces deux époques? C'est très difficile pour une historienne, un exercice comme celui-là. J'allais vous dire dans un premier temps que moi, je n'en vois pas, enfin, ce qui ne veut pas dire que... ça ne me pose pas de problème comme citoyenne, tous les faits que vous ayez pu citer. Disons que l'argumentaire des militaires à l'époque, on est quand même dans une guerre. Hein. Donc la justification est qu'il y a une urgence parce qu'il y a du terrorisme, et que donc toutes les procédures en fait sont des entraves.
et que eux ne peuvent pas s'encombrer des procédures. Donc il y a cet argument-là, il y a aussi le secret, donc il y a l'urgence, il y a le secret qui est nécessaire, parce que quand un suspect est arrêté, le réseau peut avoir le temps de se disperser avant que le suspect parle. Donc l'argumentaire des militaires à l'époque recourt à la question, enfin, au contexte de guerre, à la nécessité de la lutte contre l'ennemi. Et ce qui est intéressant d'ailleurs pour moi comme historienne sur cette guerre, c'est de voir qu'on est dans un contexte où, y compris, le droit est mobilisé comme une arme. Je veux dire, on met en place des législations d'exception. Je ne vous parle pas de l'état d'urgence, mais qui a été la première législation d'exception mise en place pour encadrer les actes de répression du nationalisme algérien sur place. Donc je ne vois pas de parallèle. Ce qui me semble plus intéressant, c'est la question des preuves que j'ai évoquées quand je vous ai parlé de l'hypothèse d'une exécution de Maurice Audin pour faire disparaître les preuves. Moi, j'ai l'impression, si je voyais un parallèle, qu'il pourrait être là. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de difficultés. Alors évidemment, avec les films dont vous me parlez, ça devient plus compliqué. Mais sur des questions de torture, j'avais assisté d'ailleurs à un colloque qu'organisaient d'ailleurs Magali Bess et Jean-Pierre Macias il y a quelques années, où un médecin légiste espagnol était venu présenter un protocole, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est d'Istanbul, je crois, qui date de 2002, quelque chose comme ça, qui est un protocole fait aujourd'hui pour que les médecins légistes puissent établir la probabilité pour qu'une personne se plaignant d'avoir été torturée, qu'elle ne mente pas, et parce qu'effectivement l'examen du corps, même si les gens ont des traces, ne prouve rien, mais il y a tout un protocole, y compris avec un examen psychologique, et ensuite une échelle de probabilité. Donc en tout cas pour moi, c'est ce que je verrais, sauf qu'avec les moyens d'enregistrement que vous citez, ça ne tient pas. Moi, je connais d'assez près une affaire qui est l'affaire Alizieri, qui s'est produite à Argenteuil il y a déjà assez longtemps, où c'est un retraité aussi, lors d'un contrôle de police, qui est décédé, et qui est décédé d'une crise cardiaque. Et donc, est-il décédé parce qu'il avait le cœur fragile ou parce qu'il a été maintenu au sol, effectivement, dans la position qu'on connaît comme étant une position dangereuse. J'ai beaucoup de difficultés. Je vous donne des éléments qui me viennent, mais j'ai beaucoup de difficultés. Si je peux me permettre, à la suite des quelques mots que Denis a dit, cette déclaration était très importante, cette déclaration d'Emmanuel Macron, septembre 2018, mais elle n'a pas forcément été toujours bien accueillie. Il y a eu quand même une sorte de consensus, sauf à l'extrême droite, où... Marine Le Pen a dit que Maurice Audin était un terroriste, qui était faux. Et bien sûr, les conseillers d'Emmanuel Macron, c'était la première question qu'ils posaient. Vous êtes sûr qu'il n'a jamais été engagé dans le moindre acte terroriste? Parce qu'auquel cas, on ne peut pas s'engager dans une quelconque reconnaissance. Et puis Éric Zemmour a dit que c'était un traître qui aurait mérité 12 balles dans la peau. Voilà. Mais en dehors de ces réactions-là, il y a eu un consensus relatif. Mais il y a eu une critique d'un autre ordre qui a suscité d'ailleurs la création d'un site internet qui s'appelle Les Mille Autres, avec l'idée qu'on n'en avait pas trop fait sur Audin, mais que Audin ne personnifiait pas, n'était pas le bon symbole des disparus, parce que quand même les disparus de cette période, globalement, ce sont des Algériens... pas des assistants d'université, pas des communistes, pas des Français de citoyenneté, etc. Et donc que jusque dans la dénonciation et jusque dans la reconnaissance, il y avait une inégalité qui perdurait. Ceci dit, le texte est rédigé de telle façon qu'il englobe tout le monde, mais ce regret a été exprimé, hein, quand même. Et pour revenir à la question des charniers que tu évoquais, finalement, ça c'est un obstacle dont je n'ai pas parlé, mais il faut voir aussi quelle est la situation en Algérie aujourd'hui. Josette Audin n'a pas cessé de revendiquer avec tout ce que je vous ai décrit, mais en Algérie, bien sûr, des familles accueillerait très, très certainement extrêmement favorablement toute mesure allant dans le sens, pouvant être perçue comme une mesure
de réparation ou de début de réparation, mais il y a les années 1990 qui sont passées par là, cette fameuse décennie noire, et aujourd'hui en Algérie, la question des disparus, ce sont ceux de la décennie noire. Quand on fait des recherches sur Internet, on tombe très vite sur un collectif des familles de disparus, de personnes arrêtées par les forces de sécurité. Oui, et alors, je ne veux pas m'avancer parce que je vous parle de tête, mais sur les disparus, le collectif, ça se compte en milliers, hein, les cas qu'ils ont documentés. Donc en fait, je ne dis absolument pas que du fait des disparus des années 90, on n'aurait pas à enquêter et agir sur ceux de la guerre d'indépendance. Mais de fait, il y a une actualité qui en a recouvert une autre. Et sur les charniers aujourd'hui en Algérie, quand on découvre des charniers, ce sont plutôt des charniers des années 90. Et puis, dernier point, quand tu as évoqué le cas du franquisme, c'est vrai que la dernière carte notamment Pierre Audin avait pensé peut-être jouable et qu'il avait évoqué avec Isabelle Fouchard, qui a rédigé l'article dans le livre, c'était d'utiliser la compétence universelle. Et pourquoi pas d'aller porter plainte en Belgique pour faire rouvrir des investigations. Sauf que bien sûr, outre le fait que diplomatiquement on imagine un petit peu difficilement la Belgique ouvrir une information sur la mort de Maurice Audin, ce qu'Isabelle Fouchard avait répondu, c'est qu'il y a de toute façon extinction de l'action publique, puisque les protagonistes sont certainement morts. Aujourd'hui, Josette Audin elle-même est décédée, et que donc, quand bien même une instruction quelque part pourrait être rouverte au titre de la compétence universelle, ça ne pourrait pas être mené et aboutir. Simplement sur le Parti communiste français, est-ce qu'il a été actif dans cette quête mémorielle, puisque c'est un de ses membres qui est concerné? Tout à fait. Alors, pas tout à fait, parce que le Parti communiste algérien était indépendant du Parti communiste français. Au début, quand après le congrès de Tours, le Parti communiste qui est fondé en France a une section algérienne, et en 1936, cette section algérienne s'autonomise pour devenir Parti communiste algérien, avec l'objectif de s'algérianiser, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est un parti du mouvement ouvrier français. Il ne faut pas oublier, bien sûr, la composante dite européenne de la population en Algérie. Et effectivement, en 1954, la majorité des adhérents sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des Algériens, qu'on appelait à l'époque des musulmans. Le Parti communiste français a quand même été extrêmement actif. D'abord, Josette est restée communiste vraiment jusqu'au bout. Et donc, il y a eu régulièrement des initiatives, effectivement, sous la houlette du Parti communiste français. L'appel des 12 a été publié dans l'Humanité. Alors les 12 n'étaient pas tous communistes. Il y avait Pierre Vidal-Naquet, il y avait Madeleine Rébériou, j'ai oublié les noms, Henri Allais, qui était encore en vie à l'époque. Donc c'est pas une bataille uniquement menée par les communistes, mais dans laquelle les communistes ont été très impliqués. Et l'association Maurice Audin, qui existe toujours et qui a été à la pointe de la revendication en 2018, était, parce que je crois que ça a changé, mais elle était à l'époque présidée par quelqu'un qui s'appelle Pierre Mansa, qui était un élu communiste de la ville de Paris et qui a fait un historique de l'association. Donc oui, bien sûr, dans le combat mémoriel, le Parti communiste français s'est engagé, et pour tout dire, il y a même certainement là une petite explication de la date de la déclaration d'Emmanuel Macron, parce que en fait en septembre 2018, il était prévu à la fête de l'Humanité un débat avec Josette Audin pour continuer de réclamer la reconnaissance, et Emmanuel Macron a fait sa déclaration avant le débat à la fête de l'Humanité, et sans trahir des secrets d'État, l'idée était quand même qu'il n'ait pas l'air de céder aux communistes, à une revendication communiste. Paul Jean. Oui, effectivement, la déclaration est juste avant la fête de l'Humanité. Mais justement, c'est un petit peu. Je voudrais revenir sur l'édition du Conseil d'État de 1978, parce que c'est une demande aux gardes des Sceaux. Ensuite, ça va devant le Conseil d'État, parce que Maurice Audin était sous la garde de l'autorité militaire. Et on oppose une. Je viens de regarder la décision sur Internet, d'accord, c'est pour ça. Oui. Et je viens de voir qui est le rapporteur de cette affaire. Le rapporteur de cette affaire, c'est Nicole Questiot.
Est-ce que, alors je n'ai pas lu l'ouvrage, mais est-ce que c'est Nicole Questio, vous en avez parlé, ou quelqu'un est allé en discuter avec elle? Non, c'est une question purement procédurale. Parce que quand on regarde après Badinter qui reconnaît, quand même, c'est Maurice Genevoix qui est le commissaire du gouvernement, pas Maurice Genevoix qui est commissaire du gouvernement, et Nicole Questio qui fait le rapport quand même. Et là, le Conseil d'État il fait une réponse tout à fait procédurale. Oui. Donc, ça serait quand même très intéressant de l'entendre comme témoin si ça n'a pas été fait. Enfin, parce qu'aujourd'hui, quand même... Donc on revoit la chronologie politique dans les années 70... Effectivement, au moment du nom de la gauche, en 78, le Conseil d'État, 83, Badinter lui-même, qui fait une indemnisation. Et on s'aperçoit qu'à l'époque, d'ailleurs, les réparations, c'est comme en matière judiciaire, c'est très souvent le ministère qui décide sur la base de la responsabilité de l'État qui fait une indemnisation amiable, comme on a fait dans l'affaire d'Outreau, par exemple. Ça a été quelque chose de responsabilité de l'État, mais là, il est sous la garde, quelle que soit la torture, les faits, etc., il est sous la garde. Alors, je crois qu'il y a un texte spécial pour les militaires, c'est ça, sur la prescription quadriennale, je n'ai pas eu le temps de voir. Il y a une question de droit, mais on sait très bien que le Conseil d'État peut toujours s'arranger pour raisonner. Et ensuite, 83, puis il faut attendre, après, effectivement, 2018. Et là, je m'étonne un peu sur la tardiveté de la réponse d'Emmanuel Macron, qui a tellement travaillé avec Paul Ricoeur, évidemment, sur ces questions, qui a déjà évoqué les crimes contre l'humanité. Ce n'est pas un crime contre l'humanité. Là, c'est un acte individuel dans le cadre de l'affaire de la bataille d'Alger. Hein, les communistes, etc. C'est autre chose. Juridiquement, ce n'est pas un crime contre l'humanité. Donc, ma question, c'est autour de l'arrêt du Conseil d'État et Nicole Questio, proprement dit. Et je me demandais si les personnes qui avaient travaillé avait pu la voir ou en discuter avec elle. Je pense que ce serait intéressant d'en discuter encore aujourd'hui avec elle. Alors, en réalité, l'ouvrage que Denis a entre les mains est un ouvrage que nous avons fait assez vite et qui n'est pas un ouvrage de recherche. Effectivement, dans une logique de recherche, je ferai ça, j'irai voir les gens et notamment... J'irai revoir les conseillers d'Emmanuel Macron parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui demeurent autour de cette déclaration. En réalité, il y a eu une espèce de hasard, de circonstances. C'est que Jean-Pierre Massias et Magali Bess voulaient consacrer des livres à des questions d'injustice du passé, réparer. Et ils m'ont contacté en mars 2018, alors même qu'on était en plein dans la bataille pour la reconnaissance. Et donc, on pensait que le livre, qu'on allait le faire très vite et qu'il serait un élément du combat. Et puis, finalement, la reconnaissance a eu lieu. Donc, le livre, on l'a pensé autrement. On l'a pensé comme un outil de premier abord de découverte de l'affaire. Et donc, c'est Claire Auquet qui était l'associé de Roland Rapaport, qui était le dernier avocat de Josette Audin, qui a repris les dossiers de Roland Rapaport et qui a fait un article qui s'appelle « L'historique des procédures ». Donc la décision du Conseil d'État est évoquée là. Mais nous n'avons... et puis c'est un ouvrage collectif, comme le disait Denis. Donc on a plutôt eu en tête de donner un premier aperçu avec des acteurs qui ont des points de vue différents, des historiens, des juristes. Michel Audin est par ailleurs écrivaine, donc elle a fait des textes plus sensibles. Nathalie Funès, qui est journaliste, a fait un portrait de Josette Audin. C'est un livre qui est un livre de première approche et de découverte de l'affaire pour des gens qui ne la connaissent pas. Mais là où je partage absolument ton point de vue, c'est qu'il y a quantité d'autres recherches à faire, et notamment pour le monde judiciaire, d'aller plus loin dans ces décisions et de savoir qui sont les gens qui ont argumenté, comment ont-ils argumenté et comment ça s'est joué au-delà d'argumentaires juridiques. Et Isabelle Fouchard, qui a fait l'article sur le crime contre l'humanité, a travaillé sur les textes, mais pas non plus sur les acteurs. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui resterait à faire. Et effectivement, à mon avis... plus par des gens qui connaissent le milieu judiciaire et qui savent ce que ça veut dire quand on voit le nom d'un tel ou de tel comme rapporteur ou comme impliqué dans les décisions. Donc voilà. La décision du Conseil d'État, en août, c'est une décision que moi, je vous avoue, je ne comprends pas forcément très très bien,
Parce que, si je me souviens bien, en fait, il y a une question de compétence, il y a un conflit de compétence entre juridictions, et Josette aurait pu continuer, en fait, parce qu'en fait, il y a une question de savoir si elle doit saisir le tribunal administratif ou le juge judiciaire, et on la déboute, mais en fait, si elle avait saisi le juge judiciaire, ça aurait continué. Et donc là, je ne m'explique pas pourquoi ça n'a pas été fait. Claire Houquet le dit en une phrase dans son article. Voilà. Autre question du public ? Il n'y en a pas. Bon, moi, j'en ai une quand même. Comment un chercheur travaille avec l'Élysée ? Est-ce que c'est aisé ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'il faut nouer des liens ? Est-ce que le chercheur se compromet d'une certaine manière de travailler avec le politique ? Comment concrètement les choses se passent ? Peut-être sans dévoiler tout, mais enfin, on est intéressé de savoir comment tu as travaillé à ce moment-là. Bah, en fait, ça m'a emporté. J'ai été emportée par cette affaire et donc je l'ai déjà dit et je le dis et c'est su. Donc en fait, moi, il se trouve que par le plus grand des hasards, lorsque j'étais élève au lycée, j'ai eu Pierre Audin comme professeur de mathématiques. Donc c'est vraiment, j'imaginais jamais. C'est pas du tout pour ça que je suis devenue historienne. C'est par d'autres, voilà. Mais du coup, dans le lycée où j'étais. Tout le monde disait ah Pierre Audin oui ah bah tu sais oui bah son père il a été arrêté à Alger par les parachutistes, en fait on savait tous, voilà, c'était le fils d'un disparu, voilà. Et bon, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, on n'avait aucun lien particulier, j'étais une élève parmi les centaines qu'il a dû avoir, sauf que quand ma thèse est parue en 2001 là aux éditions La Découverte, j'ai fait un certain nombre de conférences et de débats publics, et donc une fois Pierre est venu me voir en me disant c'est amusant de voir une de mes anciennes élèves qui devient historienne de cette guerre et qui en outre travaille sur le système arrestation détention, enfin voilà. Donc ce qui s'est produit par la suite, c'est que de temps à autre, quand il pouvait en ressentir le besoin pour des raisons de recherche de compétences, ben, il me sollicitait, voilà. Parce qu'en fait, ils ont reçu quand même au fur et à mesure des années assez régulièrement des informations en pagaille. Ça aussi, je pense que c'est une des plaies de la disparition, c'est que quantité de gens, en voulant bien faire, envoient des informations parfois farfelues, hein, et faut gérer tout ça. Et on s'est vraiment retrouvés, donc de temps à autre, ça pouvait arriver qu'on se retrouve. On rentre en contact, voilà, parce que du coup, s'ils avaient besoin d'un conseil historien, ben, ils s'adressaient à moi. Et en 2011, on s'est un peu plus retrouvés parce que justement, Nathalie Funès, la journaliste dont je parlais, avait trouvé un document de Godard, je vous passe les détails, c'est pas dans les scellés dont je vous ai parlé, c'est assez compliqué, et c'était quand même un document important, intéressant, et donc à ce moment-là, avec Nathalie Funès, on s'est rapprochés aussi, et là on a été beaucoup plus en lien. Et puis François de Merliac a fait un documentaire qui s'appelle La Disparition, qui est un exposé très factuel de l'affaire. Et donc depuis 2011, tous les trois, on est quand même restés assez en relation. Donc quand je dis que ça m'a emporté, c'est vraiment cela. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle le livre s'arrête là où il s'arrête, c'est-à-dire que tu as absolument raison sur les investigations qui resteraient, j'en verrai encore plein, mais moi personnellement comme historienne, j'aimerais aller vers d'autres choses maintenant. Et puis pour la déclaration, c'est exactement la même chose, ça m'a emporté, c'est-à-dire que moi je n'ai jamais commis... d'Emmanuel Macron, moi je n'ai jamais, je ne fais pas partie des historiens qui sont dans les équipes présidentielles, hein, au contraire de Benjamin Stora, hein, dont ce n'est pas un secret qu'il est un proche d'Emmanuel Macron, mais c'est vrai que quand on a fait les auditions, de fait, comme je connaissais bien l'affaire, j'ai été particulièrement sollicitée, et vraiment quand j'assume, je dirais, de plus en plus la part de sensibilité, et c'est pour ça que j'ai parlé comme j'en ai parlé aujourd'hui, parce que très sincèrement, si je n'avais pas eu ce lien avec Pierre et Michel et puis avec Josette également, je ne suis pas sûre que je me serais investie autant.
Voilà. Et donc, pour en répondre à cette question, bon, à laquelle je réponds volontiers, avec un peu de pudeur quand même, mais voilà. Voir que l'historien peut se laisser emporter dans un engagement, finalement, dans une cause, entre guillemets, qui est la cause de Maurice Audin. Mais tu as bien rappelé les sources de cet engagement. Oui, et puis, excuse-moi de oui, t'interrompre, prie, mais oui. J'ai oublié de dire une chose importante. Il se trouve que pour les besoins d'un article récent, j'ai relu des ouvrages écrits par des collègues sur d'autres disparus, parce que je n'en ai pas parlé. Mais donc, un livre de Jean-Jacques Jordi sur les disparus européens, principalement en 1962, même s'il y a déjà eu des Européens enlevés par le FLN et qui ont disparu avant 62. Il y a Raphaël Branche qui a fait un livre sur les prisonniers du FLN. En fait, il y a des soldats français qui ont disparu après avoir été faits prisonniers par le FLN. Ils sont à peu près 200. Malik Haral a fait un livre sur Boumengel, Ali Boumengel, et en fait j'ai repris leurs ouvrages et je les ai relus encore une fois pour les besoins d'un article de synthèse. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quel que soit le type de disparition, qu'il s'agisse de gens qu'on identifierait plutôt côté Algérie française, côté Algérie indépendante, etc., on est tous emportés par l'empathie. Je veux dire, quand on lit le livre de Jean-Jacques Jordi, le livre de Raphaël Branche ou le livre de Malik Haral, il y a une sensibilité très forte et une empathie très forte, parce que, effectivement, la disparition a des effets tellement durables et profonds sur les personnes que l'on contacte, que finalement, peu importe quels qu'aient été leurs engagements à l'époque et par qui et du fait de qui, elles ont été enlevées et comment elles ont disparu, ce qui fait l'objet de nos ouvrages et de débats et d'analyses, il y a systématiquement une prise sur soi hein, de la douleur et de fait une sensibilité forte et puis des questions identiques qui se posent, où Raphaël Branche dit par exemple dans son livre sur les prisonniers du FLN, elle le dit dans son introduction, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve une information non fiable? Est-ce qu'on le dit à la famille? Est-ce que c'est de notre responsabilité de remettre de l'huile sur le feu ou, voilà. Et ça, ce sont des questions difficiles, honnêtement. Mais donc, finalement, voilà, je n'ai absolument rien d'une exception. Et même des gens qui sont allés vers des travaux sur les disparitions en historien, en se disant je vais récolter des témoignages, je vais voir les archives, je vais faire une analyse. Jean-Jacques Jordi sur les disparus européens, son objectif, il est clair, c'est de donner un compte. Et à la fin, il aboutit à un décompte. Donc on n'a pas d'objectif plus carré et scientifique et rigoureux. Et pourtant, l'empathie et la sensibilité sont là. Oui, Pierre Kramer, magistrat honoraire. À propos, enfin, sur le plan juridique, à propos des disparitions, je signale qu'on a utilisé cette notion. Paradoxalement, le fait que la personne qui a disparu a été enlevée et séquestrée, or c'est un crime continu tant qu'on n'a pas retrouvé le corps ou le cadavre, et donc la question de l'amnistie ou de la prescription ne se pose pas. On a utilisé cette notion, ce sera sans doute abordé dans une prochaine conférence sur l'Amérique du Sud, le Chili, les disparitions, pour juger par contumace des officiers supérieurs chiliens qui ont été condamnés, certains à la réclusion criminelle à perpétuité par défaut, par contumace, parce qu'il y avait deux Français qui étaient disparus, qui avaient disparu au moment du putsch de Pinochet, notamment Klein, et donc on a considéré que les faits pouvaient toujours être poursuivis sans avoir recours à des notions de crimes contre l'humanité ou autre. Voilà, c'était plus une observation qu'une question. C'est la notion de crime continu hein, qui autorise les poursuites. Pierre Kramer a été avocat général dans l'affaire du procès de la jeune chilienne il y a quelques années, qui d'ailleurs a été archivée, qui a été enregistrée, qui est disponible aux Archives nationales. Je le signale. Alors, sous réserve de vérification et de débats que je ne maîtrise pas du tout au plan juridique, il me semble que c'était un élément de la discussion dans la procédure d'indemnisation qui a abouti au Conseil d'État, parce qu'on avait opposé à Josette Audin un problème de prescription. On lui avait dit que sa demande n'avait été pas formulée dans les délais. Et en fait, si je me souviens bien, il faudrait vérifier dans le texte de Claire Hoquet, il y a eu une discussion parce que, je ne sais pas si c'est le cas
dans ce que vous évoquez. En fait, il y a eu à un moment donné un jugement de reconnaissance de décès de Maurice Audin, puisque pour tous les disparus, aucune question ne pouvait être réglée. Donc, il y a une disposition en droit français qui permet à un moment donné de rendre un acte reconnaissant la personne comme décédée. Et donc, je crois que dans la procédure et la demande d'indemnisation et la discussion autour de la prescription, la date de la reconnaissance officielle du décès a joué. Mais je vous dis ça sous réserve de plus amples vérifications. Et je n'ai pas entendu l'argumentation dont vous parlez. Il y a une difficulté, vous savez, quand on travaille sur ces questions aussi, c'est que, en fait, il faut toujours essayer de se replacer dans le cadre du droit et des définitions de l'époque. Et donc savoir voilà, où on en était sur ces questions. Parce que la décision qui finit au Conseil d'État, je crois qu'au début, c'est sur une loi de 66 ou 68. Donc, donc où est-ce qu'on en était sur ces questions dans les années 70 ? Je n'en sais rien et donc je suis désolée de ne pas pouvoir répondre plus avant. Mais je n'ai jamais entendu cet argument-là soulevé. C'est dommage qu'on n'ait pas... Oui. C'est exact ce qu'a dit notre collègue, mais ça a une limite. C'est-à-dire qu'une fois, il ne faut pas que le corps soit retrouvé. Il faut qu'on ait la certitude que la personne soit décédée à une date donnée. Mais une fois que l'on sait, ce qui est admis maintenant, que Maurice Audin est décédé en 57, la prescription, elle commence, même si on n'a pas retrouvé son corps. Ça, je crois que c'est comme ça que ça a été jugé dans des affaires de droit commun. Enfin, moi, je pourrais citer une affaire de droit commun qui n'est que l'affaire Émile Louis, mais on n'a pas retrouvé tous les corps des victimes et la prescription, elle était acquise parce qu'on avait la certitude qu'elles avaient été tuées aux dates. Il a reconnu les faits et on a eu la certitude qu'elles avaient été tuées. Et c'est pour une autre raison que l'on a considéré qu'il y avait eu un acte interruptif de prescription. Donc là, je pense qu'en droit français, la jurisprudence Émile Louis donne la réponse. Juste une remarque, parce que le débat juridique, il faut qu'on le fasse en travaillant. Il y a la prescription de l'action publique d'un côté aux criminels, et là, sur le Conseil d'État, on était sur l'indemnisation. Oui, il y avait un problème de compétence entre l'autorité judiciaire à l'époque, avant la loi de 68, et celle de l'autorité administrative. Dans l'indemnisation d'esclavage, c'est ça dont était saisie la Cour de cassation sur laquelle elle a statué en avril 2019, justement, sur cette base, pour admettre la compétence judiciaire avec un recul, etc. Donc, ce sont deux choses différentes, effectivement, la prescription d'action publique, tout à fait. Et celle du droit à l'indemnisation sur la responsabilité de l'État, par exemple, sont deux choses totalement différentes. Donc, on est à la Cour de cassation. Donc oui, il faut bien aborder la question de droit que l'historien n'a pas directement traitée. Non, je suis désolée. Voilà, on va peut-être arrêter notre... Il n'y a pas d'autres questions, non. On va peut-être arrêter notre séance pour aujourd'hui en remerciant beaucoup. Merci. Sylvie, d'avoir fait cet exposé en l'absence de Magali Bess. Je rappelle l'ouvrage « Réparer l'injustice, l'affaire Maurice Audin » aux éditions francophones pour la justice et la démocratie, que vous trouverez, qui est édité par l'Extenso LGDJ. Notre prochaine séance se situe le 30 avril 2020, où nous traiterons de justice, mémoire et oubli en Amérique latine. On abordera le thème de los desaparecidos, comme on dit là-bas, c'est-à-dire les disparus. Si vous êtes intéressé par nos activités, notre chargé de mission, Vincent Bernaudot, qui est tout à fait à droite là-bas, est à votre disposition pour tout renseignement, voire même des adhésions. Rêvons ensemble, si jamais cela vous intéresse. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Oui, c'est mieux. Ah oui, t'es un...